tiens son beau. Encore. Attends, à voie décollée. Vas-y, garde-le, vas-y, là. Pour vous présenter un bulletin spécial. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Alain Pratt, directement de la salle de nouvelles. Nous recevons à l'instant un nouveau communiqué des ravisseurs du diplomate James Richard Cross. C'est notre confrère André Laplante qui, après un coup de téléphone anonyme, a récupéré vers 7h45 une enveloppe brune dans une cabine téléphonique de la rue Jean Talon. Voici sans plus tarder ce nouveau message de la cellule Libération. Communiqué numéro 6. Le Front de libération du Québec suspend temporairement sa menace d'exécuter le diplomate James Cross. Voici les deux dernières conditions que les autorités en place devront remplir pour conserver la vie aux représentants du vieux système britannique, raciste et colonialiste. 1. Cessation immédiate de toutes les fouilles, perquisitions et arrestations. 2. Libération des prisonniers politiques, tels que stipulé dans le premier communiqué, avant 6 heures demain. Le Front de libération du Québec s'engage solennellement à libérer vivant le diplomate dans les 24 heures suivant la libération de nos 23 camarades. Nous vaincrons. Mesdames et messieurs, c'est un bulletin spécial. Avant 6 heures demain, voyons donc. Le gouvernement négociera jamais. Ça fait 4 jours que les gars reculent puis qu'ils reculent. Ils abandonnent leurs conditions les unes après les autres. Il n'y a pas moyen de les contacter. Non. Personne ne sait où ils sont. Le seul contact, c'est Louise, puis c'est toujours eux autres qui appellent. Moi, je pense que de la manière que c'est parti-là, le gouvernement négociera jamais. Pas pour un petit diplomate anglais, en tout cas. Pour faire quelque chose. Oh, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Là, il y a de la police partout, toute organisation est à terre, on n'a plus rien. Écoute bien, là, si on bouge pas, tout va foirer, faut voir ça à long terme. C'est le plus gros coup depuis 7 ans. Ça tombe à l'eau, la FLQ perd toute sa crédibilité pour des années. On n'a pas le choix, là. Faut donner un coup. Faut que le gouvernement négocie. Le consul américain que ça nous aurait pris comme c'était prévu. Voyons donc, à l'heure qui est là, il a dû prendre ses précautions. Puis en plus, l'île des Sœurs est faite comme un rat. En 2 minutes, il bloque les ponts. Et puis l'autre, là,
Comment est-ce qu'il s'appelle, à Westmount? Non, c'est trop loin, ça, on sort pas de là vivant. Hé, hey, les gars, je le lis. Le pourri. Ouais, le pourri. C'est juste à côté. Le Pierre Laporte, c'est la rue Robitaille à Saint-Lambert, c'est à côté. Ça doit être ça, appel. Bonsoir, madame. Est-ce que je suis bien chez M. Laporte, député de Chambly? Oui, bon, c'est parce que j'ai travaillé pour le parti aux dernières élections, puis j'aurais un petit service à lui demander. Ben, vers l'heure du souper, est-ce que ça irait? Bon, parfait. Je vous remercie beaucoup, hein. Bonsoir. Il est chez eux. Demain, toute la journée, il fait du bureau. Là, les gars, si on décide de se battre, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Si on plie, on est fait. Pas pour laisser passer ça. Ouais. Si on s'embarque là-dedans, tout le monde sait ce que ça veut dire. Là, ils vont écouter. Ça va péter tellement fort. Front Libération du Québec manifeste. Le Front Libération du Québec n'est pas le Messie ni Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple québécois prenne définitivement en main son destin. Le Front Libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois. Réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces. Les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Repeat after me. Cheap labor means main-d'œuvre à bon marché. Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance par l'entremise d'un gouvernement de mitaine. Nous en avons soupé des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des Big Shots. Tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Montreal, des Hampstead, des Outremont, tous ces châteaux forts de la haute finance, de la rue Saint-Jacques et de Wall Street, nous vivrons dans une société d'esclaves terrorisés. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Le jour s'en vient où tous les Westmount du Québec disparaîtront de la carte. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre. Vive les prisonniers politiques. Vive la Révolution québécoise. Vive le Front de libération du Québec. Et là?
Dans la rue, c'est lui. Y'a personne autour. Away! Away, go! Mais bouge pas! Oui, le sale! Ferme ta gueule, puis grouille pas, parce que ma passe au gaz! Couche à terre, mon ventre, hein, ouais! Passe-moi, c'est un mythe! Oui, grouille pas, parce qu'on va te sauter! Communiquer. Toi, pourri, tu bouges pas. Ta gueule. Il y a fait chemin. Il bouge toujours pas. On est correct, les gars. On le voit au travers. On a passé. Ça marche. Ouais!